Bien, bonjour à tous, donc bienvenue pour cette pa dernière partie du chapitre sur les séries. Et donc nous allons parler d'un développement décimal d'un nombre réel. Alors avant de faire ça, on va prendre un exemple. Je vais prendre ce célèbre nombre x égale 0,9999 avec une infinité. Donc c'est un certain réel. Et il y a un célèbre débat qui dit est-ce que ça vaut 1 ou pas. Et on va clôturer à ce débat. Ça veut dire quoi ce 0? Donc avant de savoir de calculer, il faut d'abord se demander ça veut dire quoi ce 0,999? Eh bien on peut décomposer aussi. Ce x-là, on pourrait l'écrire comme x, on pourrait dire que c'est 0,9 plus 0,09 plus 0,009 plus 0,009 plus, et finalement, etc. Alors, ce etc., ça indique une somme de termes avec une infinité de termes. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire sommer des nombres une infinité de termes. Et bien ça, en fait, c'est pas un mystère, c'est tout le chapitre a été de définir ces sommes infinies. C'est ce qu'on appelle la somme d'une série. Alors, évidemment, il faut qu'elle soit convergente. Ici, ça serait quoi les termes de la série? Eh bien, vous voyez, pour le premier terme, il est de la forme 9 fois 10 moins 1. Le deuxième, il est de la forme, donc en fait, x, on peut l'écrire comme 9 égale 9 fois 10 moins 1, plus 9 fois 10 moins 2, plus 9 fois 10 moins 3, etc. Donc, autrement dit, la question que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, x, en fait, c'est des termes de la forme 9 fois 10 puissance k, quand k varie entre 1 et l'infini, puisque les trois petits points, ça veut dire que je m'en vais à la fin. Alors, si je veux parler d'une telle somme, il faudrait à minimum avoir une série convergente, parce que je ne peux parler d'une somme infinie que si la somme est convergente. Et si elle ne l'est pas, et bah, du coup, ça n'a pas de sens. Donc, si on est rigoureux, si on veut être rigoureux, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que la série 9 fois 10 puissance k, alors c'est un moins k, pardon, puisque ici c'est des puissances négatives, est-ce que la série des 10 puissance moins n, est-ce que cette série converge de façon à ce que je puisse évidemment calculer cette somme-là? Eh bien ici, il suffit de se rendre compte que ce qu'on a là, ici, c'est une suite géométrique que l'on somme. Alors c'est une suite géométrique de quelle raison? Eh bien de raison 1 dixième. Et 1 dixième, donc 10 moins 1, en valeur absolue, c'est plus petit que 1. Donc ici, j'ai une série géométrique, et une série géométrique, je sais d'après mon cours, c'est le premier exemple de série que j'ai vu, que ça converge quand la raison, et ici c'est 10 puissance moins 1, est strictement plus petit que 1. Donc cette série-là, en fait, elle converge. Je peux même calculer sa somme. Si je me rappelle que la somme des q puissance n pour n valant de 0 à plus l'infini vaut 1 sur 1 moins q, donc c'est ce qu'on avait démontré au tout début. Donc ça, c'est quand q est plus petit que 1 pour avoir une série convergente. Donc ça, c'est le résultat que j'ai. Alors ici, du coup, c'est cette somme-là que je dois calculer. Alors ici, il faut faire un petit peu attention. C'est que là, c'est qu'on somme une série géométrique. Vous voyez que le premier terme, quand n égale 0, il vaut 1. Donc ça me donne la somme des termes d'une série géométrique quand le premier terme, donc c'est-à-dire quand je prends n égale 0 ici, ça me donne un premier terme égal à 1. Ici, le premier terme, alors déjà, il commence à k égale 1 et non pas k égale 0. Mais ça, c'est pas très grave par un changement d'indice. En fait, dans ce cas-là, je pourrais poser j égale k moins 1 pour que ça porte à 0. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Plutôt le petit problème que j'aurai ici, c'est que le premier terme pour k égale 1, et du coup ici, il ne vaut pas 1, il vaut 9 fois 10 moins 1, autrement dit, il vaut 9 dixièmes. Mais ça, vous avez appris sur les sommes géométriques qu'on peut toujours sortir la valeur du premier terme, donc il serait 9 dixièmes fois, eh bien, fois cette formule-là que j'applique avec q qui vaut 1 sur 1 sur 10. Donc j'ai 1 divisé par 1 moins 1 sur 10. Et évidemment, cette fraction-là, je peux la mettre au même dénominateur, donc le 1 va se transformer en 10 sur 10, donc j'aurai 10 moins 1 divisé par 10. Donc j'aurai du 9 divisé par 10, mais j'ai un inverse, donc j'ai l'inverse de 9 dixièmes, que je multiplie par 9 dixièmes, donc ça vaut 1. Et donc ça prouve bien que ce nombre-là, x égale 0,999 avec 9 dixièmes 9, et bien vaut bien 1, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 dixième. Alors ce qu'on a fait là pour cette série-là, pour ce x-là, la question c'est est-ce qu'on peut le faire pour tous les x? Est-ce que pour tous les x, entre 0 et 1, on peut l'écrire d'une certaine façon. Et alors la réponse est oui,
Et c'est le théorème numéro 2 qui va être admis. Il nous dit que si je prends n'importe quel x entre 0 et 1, donc 0 inclus, 1 fermé, je peux trouver une suite xn appartenant, donc c'est une suite d'entiers entre 0 et 9, donc c'est une suite pour les entiers, définie sur les entiers naturellement nuls, telle que x s'écrive comme une somme de n égale 1 à plus l'infini de xn fois 10 à la puissance moins n. Donc on va donner un exemple, mais si par exemple je prends 0,42, si je prends x égale 0,42, eh bien, je peux dire que ce x-là, il serait égal à 4 fois 10 puissance moins 1, plus 2 fois 10 puissance moins 2, et que c'est plus, en fait, d'autres termes qui vaudraient du coup 0. Donc ici, il correspondrait à quoi mon x1? Mon x1 serait le premier chiffre qui est devant le 10 moins 1. Donc ici, j'aurais mon x1, et ici, j'aurais le x2, qui est le nombre devant le 10 puissance moins 2, donc ici, ça serait 2. Si j'aurais x1 égale 4, x2 égale 2, et après j'ai plus de termes, donc en fait si j'ai plus de termes, ça revient à prendre des x3, des x4, etc., qui seraient tous nuls. Parce qu'en fait, ici, il n'y a rien, mais en fait s'il n'y a rien, je peux dire que c'est 0 fois 10 moins 3. Donc sur cet exemple-là, 0, x égale 0,42, eh bien j'ai bien un exemple de suite xn, tel que j'ai bien cette somme infinie. Alors évidemment, cette somme-là, elle est infinie, mais en fait comme il y a plein de 0, en fait c'est une somme finie, c'est ces deux premiers termes-là, mais je peux le décomposer sur cette somme-là. Alors, on demande à cette suite-là qu'elle ne soit pas stationnaire à 9, contrairement à l'exemple précédent. Ainsi, si on demande que xn existe et qu'elle soit non stationnaire à 9, le résultat de ce théorème dit que non seulement cette suite xn, elle existe, mais en plus, elle est unique. Donc, on appelle ça le développement décimal propre de x. Ça porte bien son nom. Pourquoi c'est le développement décimal? Parce que x1 me donne la première décimale, x2 la deuxième décimale, x3 la troisième décimale, etc. etc. Et si on veut que, évidemment, les décimales, c'est seulement des chiffres, seulement des nombres entre 0 et 9 des entiers naturels, non stationnaires à 9, donc on rajoute cette condition-là, il y a unicité, donc c'est pour ça qu'on peut appeler ça le développement décimal propre de x. Propre, c'est vraiment pour dire non stationnaire à 9. Voilà, donc maintenant, tout ce qui reste à faire, donc ce théorème-là, il est admis, on ne va pas le démontrer. Si on voulait le démontrer, bah, il faudrait se fixer évidemment un x entre 0 et 1, et en fait, on raisonne par analyse synthèse. On suppose que ce xn-là existe, et si on veut, par exemple, calculer x3, en fait la méthode elle consisterait à multiplier ce résultat là par 1000, à en prendre la partie entière, et en fait ce faisant, comme on aura plein de nombres qui seront tous strictement plus petits que 1, leur partie entière vaudra 0, et donc on aura une expression explicite de xm s'il existe, mais si on fait de l'analyse synthèse, on suppose que ça existe. Donc en fait en multipliant par une bonne puissance de 10, on trouvera qu'un 1 xm, on trouvera une formule explicite de xm. Donc ça nous finira l'analyse, parce qu'on fera ça pour un m quelconque entre 1 et l'infini. Et dans la synthèse, on posera cette somme-là, on vérifiera évidemment qu'elle est bien convergente, et on fera un calcul et on prouvera qu'elle vaut bien x. Évidemment, ici, le xm qui est là, la mième décimale de x, évidemment, elle dépend de x, donc on va trouver xm, un truc qui dépend de x, et en le remplaçant dans cette somme-là, dans la synthèse, on verra que ça vaut bien x. Voilà. Je ne fais pas la preuve en détail, vous pouvez la trouver sur internet si ça vous intéresse. C'est une démonstration qui est non exigible au programme de PCSI, donc c'est absolument pas grave de l'admettre. Voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi cette condition x entre 0 et 1? En fait, on pourrait faire des développements décimales de n'importe quel réel. Je prends un x qui n'est pas entre 0 et 1, je peux toujours écrire x égale n plus y, avec n qui vaut, c'est pas l'espérance de x, c'est la partie entière de x, qui est un entier naturel, ou même relatif, je vais un petit peu corriger ce que j'ai écrit, et y, du coup, qui vaudrait x moins sa partie entière, qui sera un réel entre 0 et 1, d'après les inégalités que vous avez sur les parties entières. Du coup, bah, n, c'est un entier. Les entiers, on sait qu'on peut les décomposer en base 10, mais cette fois-ci avec des puissances positives. Et y, un nombre réel, que vous pourrez décomposer d'après le théorème numéro 2. Donc si x n'est pas entre 0 et 1, en fait, on peut quand même appliquer le théorème numéro 2, moyennant ce petit passage par la partie entière. Donc on a parlé de suite de développement décimal propre, c'est-à-dire avec un truc non stationnaire à 9, mais dans le premier exemple que j'ai pris, j'avais justement pris un truc qui était stationnaire à 9. Je vous rappelle que stationnaire, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de ma suite prendront la valeur 9. Quand je dis non stationnaire, c'est que je ne veux pas que ça arrive. Mais donc il est possible que si je prenne x égale la somme de n égale à 1 plus l'infini de yn à 10 puissance moins n, avec yn une suite d'entiers naturels entre 0 et 9, il est possible qu'elle soit stationnaire à 9. Et si ça arrive, donc cette série convergente, je l'appelle le décimal
développement décimal impropre. Pourquoi impropre? Parce qu'il finit que par des 9, et on l'a vu que quand ça finit que par des 9, c'est un peu stupide d'écrire 0,9999 alors qu'on peut le simplifier par 1. Donc c'est en ça que c'est impropre. Ah donc, si je prends maintenant des x décimaux, en fait, je peux prouver deux choses. D'une part, le développement décimal propre de x est une suite stationnaire à 0. Donc ça, c'est le même exemple que j'ai pris ici avec x égale 0,42. Je prends un nombre décimal, c'est qu'un nombre qui n'a qu'un nombre fini de chiffres après la virgule, donc comme 0,42. Je vois qu'il y a en premier un 4, puis un 2 dans ma suite. Et après, il n'y a que des 0, donc j'ai bien une suite stationnaire à 0. Donc ça, c'est un premier développement décimal, et c'est un développement décimal propre. Mais je peux en prendre un autre. Par exemple, si je prends 0,45, juste pour varier, et bien 0,45, ça me donne un premier développement décimal, un 4 pour x1, un 5 pour x2 et que des 0, mais je pourrais aussi dire que c'est 0,44 et après que des 9. Parce que encore une fois, cette partie-là qui correspond à que des 9, si je faisais un calcul de somme géométrique, je pourrais prouver qu'en fait, ça vaudrait 0,45. Si je mets une infinité de 9. Donc quand je prends des nombres décimaux, comme 1 aussi, 1 c'est un nombre qui a... Je peux l'écrire comme 1 ou comme 0,99, donc il y a deux développements décimales, un propre et un impropre. Donc ça, c'est quand x est décimal. Si maintenant x est une fraction, donc un nombre rationnel, mais pas un nombre décimal, alors on pourrait prouver qu'il admet un unique développement décimal, donc c'est le développement décimal propre. En fait, il n'admet pas de développement décimal impropre. Et non seulement on peut, ce développement décimal, on peut en plus démontrer qu'il est périodique à partir d'un certain temps. Donc par exemple, quand vous prenez un tiers, si on prend un tiers, eh bien, vous savez que vous pouvez écrire 0,333, donc ça c'est une fraction. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose, c'est toujours le... Donc x1 il vaudrait 3, x2 il vaudrait 3, x3 il vaudrait 3, donc ici j'ai quelque chose qui est périodique dès le premier rang. Et en plus avec une période 1, j'ai un truc qui se répète à chaque fois. Donc quand x est un rationnel, il admet un développement décimal qui est périodique à partir d'un instant. Et enfin, un dernier cas, c'est x n'est pas un rationnel. Alors il admet toujours un unique développement décimal, donc le propre, il n'y a pas de développement impropre dans le cas x pas rationnel et aussi dans le cas x rationnel mais non décimal. Mais lui, il n'est pas périodique, mais son développement décimal ne sera pas périodique à partir d'un instant. C'est-à-dire que j'aurai jamais un schéma qui se répète dans les nombres irrationnels. Donc là, c'est quelque chose qui vous permet de distinguer ce que c'est qu'un nombre rationnel et irrationnel en regardant les chiffres après la virgule. Si c'est périodique à partir d'un certain rang, c'est un rationnel. Et si je vois jamais de période, si j'arrive à démontrer, mais c'est pas facile, à démontrer qu'il n'y a jamais une périodicité même à partir aussi loin que je regarde la suite, alors c'est un nombre irrationnel. Donc on va regarder des exemples de ça. Donc un premier exemple que je peux prendre, c'est le nombre suivant. C'est le nombre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez, à chaque fois, je mets le chiffre d'après et je les énumère toutes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une constante de Champernowne, pas très facile à prononcer. Et du coup, bah, ça, je peux dire que c'est un nombre irrationnel. Pourquoi je peux dire que c'est un nombre irrationnel? Parce que vous voyez, comme à chaque fois, je continue à énumérer mes chiffres en basique, je les mets bout à bout, et bah, ça ne peut pas être périodique à partir d'un certain rang. Il n'y a jamais un moment... Par exemple, à un moment, je vais avoir 343, mais 343 ne pourra jamais se répéter, parce que si j'ai 343, bah, après, j'aurai 344 plus 355. Donc, j'aurai jamais aucun schéma qui se répétera. Donc du coup, je ne peux pas être dans le cas rationnel, non décimal, je ne peux pas être dans le cas décimal non plus, parce que c'est clairement pas stationnaire à 0. En fait, on est forcément dans le cas irrationnel, parce qu'on n'a pas quelque chose de périodique. Et ça, on le voit juste en voyant comment est formé les décimales de ce nombre. Pareil, on va prendre un autre exemple, mais cette fois-ci qui sera rationnel. Si je prends x égale 0,777 avec une infinité de 7. Alors là, vous voyez qu'on est vraiment dans un cas périodique. C'est même une période 1 et c'est même périodique dès le premier rang. Donc on pourrait dire, ben, et la question c'est même écrire x sous forme d'une fraction. J'ai entendu montrer que x est rationnel. Donc si on va faire ça, et bien ici, il suffit de se rendre compte que x, en fait, c'est égal à comme tout à l'heure, c'est 0,7 plus 0,07 plus etc. Donc en fait, ce x là, en fait, c'est la somme de k égale 1 à plus l'infini de 7 fois 10 puissance. Moins k. Et ça, comme tout à l'heure, si je sors le premier terme pour k vaut 1, donc j'aurai du 7 dixième, donc je peux le sortir, et après du coup je peux appliquer ma formule d'une somme infinie, d'une somme géométrique, et ici encore une fois la raison c'est un dixième, donc ici j'ai 1 sur
1 moins 1 dixième. Bon, et là, en fait, ce que je peux faire, c'est... bah, là, vous voyez, c'est quasiment écrit sous la forme d'une fraction. Je peux l'écrire comme c'est 7 fois. Et puis là, je vais multiplier par 10 dans cette fraction. Donc, ça fera 10 moins 1 égale 7 neuvième. Vous voyez, cette somme infinie, avec que des 7 après la virgule, en fait, elle vaut 7 neuvième. Et si vous prenez votre calculatrice et que vous tapez 7 divisé par 9, vous allez voir que vous avez fait le chemin inverse. De manière générale, si vous prenez une fraction, votre calculatrice, elle sait vous donner le développement décimal. Ici, ce qu'on a, on a été plus intelligent que la calculatrice. C'est-à-dire, étant donné un nombre avec des décimales, comme ça, qu'on comprend comment ça marche, eh bien, on a réussi à écrire que c'est à l'écrire sous forme d'une fraction. On va prendre un deuxième exemple qui est légèrement plus compliqué, parce que là, vous voyez, on va prendre un truc qui est périodique, mais à partir seulement du rang égal à 3. Ici, on a x1 égale 3, x2 qui vaut 2, x3 qui vaut 4, x4 qui vaut 8, x5 qui vaut 4, x6 qui vaut 8, etc. Donc on a, vous voyez, une périodicité de 2. Tout à l'heure, c'est une périodicité de 1, mais maintenant, on va avoir une périodicité de 2. Donc non seulement on a une périodicité de 2, contrairement à 1, donc c'est légèrement plus compliqué, mais en plus ici, vous voyez, ça ne commence pas au premier rang. Et donc là, pareil, un exercice qu'on pourrait vous poser, c'est bah, écrire ça sous la forme d'une fraction. Et alors, ça va être exactement la même chose. Ce y, je peux le décomposer. Donc tout d'abord, je vais mettre 0,32 à part, parce que bah, ça m'a l'air un petit peu différent. Et après, je pourrais dire que c'est plus 0,0048, donc mon premier 48, plus 0,0000048, donc ça c'est le deuxième 48, plus 0,0, alors là il y avait 4 0, donc maintenant il va y en avoir 6 après la virgule, etc. Plus, donc ça maintenant qu'on a un petit peu compris, normalement, ça on peut dire que c'est 48 à quelle puissance? Donc c'est 48 fois 10 à la puissance donc par quelle puissance par quelle puissance il faut que je multiplie pour que ça revienne à 48? Si je remets à la puissance 1, le 4 il sera là, à la puissance 2 le 4 sera là, à la puissance 3 le 4 sera là, donc il faut le mettre à la puissance 4 pour retrouver un entier. Donc ici c'est 48 fois 10 moins 4 plus ici ça va donner du 48 fois 10 moins 6. Ici, ça me donnerait du 48 fois 10 puissance moins 8. Autrement dit, ici, je me retrouve avec une série infinie, une somme infinie. Donc ici, c'est 0,32 plus, je peux l'écrire comme ça, plus la somme pour k valant de 4, parce qu'ici, ma première puissance qui arrive, c'est moins 4, à l'infini de 48 fois 10 à la puissance moins. Alors non, ici, il n'y a que des puissances. Donc ici je vais l'écrire que c'est de la forme 2k. Et du coup quelle est la première valeur que doit prendre k? En fait plutôt ici on va plutôt faire partir k égale 2. Comme ça le premier terme en fait il vaudra bien au moins 4. Ici j'ai que des entiers pairs dans mes puissances. Donc j'ai cette somme là à calculer. Bon là comme tout à l'heure c'est pas tout à fait c'est pas comme la formule explicitement du cours. Parce qu'il y a le premier terme donc quand, pour k égale 2 il vaut pas 1. Donc on n'est pas exactement dans le cadre du cours. Donc ce que je vais faire c'est d'abord ce que je peux faire si je vais appliquer ma formule c'est il faut que je multiplie par le U0, par le premier terme de ma somme. Alors ici c'est pas le U0, ce serait le U2 et donc ce serait 48 fois 10 puissance moins 4. Alors donc ça c'est le premier terme et après je dois diviser par 1 moins la raison. Et ici c'est quoi la raison? Et bien c'est 10 moins 2 parce qu'ici ce 10 moins 2k je peux l'écrire comme 10 moins 2 le tout à la puissance k. Donc là comme ça j'ai bien un truc géométrique de raison 10 moins 2. Et là vous voyez, alors je vais peut-être pas finir le calcul, mais le premier terme c'est 32 sur 100 et le deuxième c'est plus 48 fois 10 puissance moins 4 sur 1 moins 10 moins 2. Donc ici c'est pas tout à fait une fraction parce que ça c'est pas vraiment un entier, donc il faudrait multiplier en haut et en bas par 100 ou même par 10 à la puissance 4 pour faire partir tout ça. Donc si on le fait, si je multiplie par en haut et en bas par 10 puissance 4, donc ici j'aurai du 48. Ici je multiplie par 10 puissance 4, j'aurai donc du 10 puissance 4 ici. Et là j'avais du moins 10 puissance moins 2, mais j'ai tout multiplié par 10 puissance 4, donc j'ai du 100, en fait, 10 puissance 2. Et là vous voyez, j'ai écrit les trucs sous la forme de deux fractions. J'ai plus qu'à remettre au même dénominateur et puis j'ai la fraction. Je ne finis pas, normalement vous savez faire. C'est juste pour dire qu'on peut, vous voyez, ce nombre très compliqué, enfin, ce nombre qui pouvait vous sembler compliqué, y égale 0,32, 48, 48, 48, et bien en fait, on peut l'écrire sous la forme d'une vraie fraction.
Et pareil, une fois que vous aurez la vraie fraction, si vous sortez votre calculatrice, cet engin diabolique, vous pourrez vérifier en faisant la division que votre calculatrice vous donnera ça. Mais là, on n'était plus sur la calculatrice. Et étant donné ce schéma-là de nombre, ce nombre rationnel avec, vous voyez, dont on a compris comment ça fonctionnait, on arrive à le mettre sous la forme d'une fraction. Et la calculatrice, elle fait. Donc nous, on est très fort pour ça. Et la calculatrice, elle est très forte pour faire l'inverse. Vous allez donner cette fraction-là. Et puis, elle va faire des divisions comme vous faisiez les divisions en CM2 ou en 6e, je sais pas trop quand, pour trouver qu'en fait, elle retombait bien sur 0,32, 48, 48, 48. Voilà. Vous pouvez vérifier si ça vous fait plaisir. Enfin, bon, c'est une remarque, c'est un petit peu hors programme, mais en fait, je ne vais pas le faire, mais grâce au développement décimal, on pourrait démontrer proprement qu'il n'y a pas de bijection entre R et N. R et N sont deux ensembles infinis, mais on ne peut pas les mettre en bijection. C'est-à-dire que, en fait, N il est inclus dans R, et R est beaucoup plus grand que N, et on ne peut pas les trouver en bijection. On pourrait me dire, oui, c'est évident que R est beaucoup plus grand que N, puisque N est inclus dans R, mais qu'il n'y a pas l'inclusion réciproque. Certes, mais quand on parle de bijection entre deux ensembles, c'est plus compliqué que ça. Il existe des bijections entre Z et N, ou entre Q et N, ce qui nous fait penser que Z et N, en fait, ils ont à peu près la même taille. Ils sont en bijection, donc ils ont la même taille. On dit que Z est dénombrable. Pareil, on peut trouver une bijection entre Q et N, même si c'est pas si facile que ça, on peut quand même en trouver une. Et donc, Q et l'ensemble des fractions et l'ensemble des atomes naturels, en gros, grosso modo, ils ont la même taille. Par contre, R, il a une taille beaucoup plus grosse que N. Voilà. C'est pas quelque chose qui est au programme, mais si ça vous intéresse, vous pouvez. Ouais, ça peut être une piste. Ça vous donne une utilité théorique de ce développement en nombre décimal. Voilà, du coup, bah, c'est tout pour cette partie. Donc ça, c'est une partie qui est, c'est pas ce qui tombe le plus souvent. C'est une partie qui est seulement au programme de première année et pas de deuxième année. Voilà, il faut juste savoir que ça existe quelque part, connaître ce théorème et voilà, et connaître les petits trucs comme ça. Voilà, on fera pas trop d'exercices dessus parce qu'en fait, les seuls types d'exercices à ma connaissance qu'on pourrait vous donner, c'est écrire sous forme d'une fraction des trucs comme ça ou comme ça. Donc bon, une fois qu'on en a vu un ou deux, on sait faire les autres. Hein. J'aurais pu prendre un truc qui aurait pu être périodique beaucoup plus tard en écrivant 498 et après en prenant un truc de période 4, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va donner exactement la même chose que ça. C'est juste que ça ne donnera pas forcément des trucs de la puissance 10-2, mais il y aura probablement du 10-4. Il y aura un premier terme ici qui ne sera pas le même. Oui, mais après, on adapte exactement la même chose. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir faire. Et connaître le théorème. La démonstration est admise, donc je ne la ferai pas. Voilà, et donc ça finit le cours de ce chapitre.